Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu parce que notre Dieu est bon. Nous disons merci à notre Seigneur pour ce grand matin. Aujourd'hui, c'est jeudi matin et le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions nous réveiller. Le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions avoir encore le souffle de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Le Seigneur est tellement bon qu'il nous accorde le temps de venir à sa présence afin de rendre gloire à son nom. Merci à vous tous qui vous joignez à nous pour que tous nous puissions prier ce matin et que nous puissions dédier la journée entre les mains du Seigneur. Il est vraiment très important pour tout enfant de Dieu de commencer la journée en recommandant la journée entre les mains du Seigneur. Nous savons tous que sans Dieu, pour ceux-là qui croient en Dieu, pour ceux-là qui connaissent que Dieu est la seule source de vie, nous savons que si nous nous réveillons, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par la grâce du Très-Haut. C'est pourquoi je voudrais donc remercier toute personne qui s'est réveillé ce matin en vue de commencer la journée avec nous, dans la présence du Très-Haut, dans la présence de notre Dieu. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ce programme, parole à l'Osambo et à Tongo. Je sais que c'est la prière matinale. Dans la prière matinale, nous venons toujours pour commencer la journée entre les mains de Dieu, recommander la journée entre les mains de Dieu, nous fortifier et savoir que nous ne sommes rien sans Dieu, c'est pourquoi nous voulons tout dédier entre les mains de Dieu et que le Seigneur nous fasse du bien. Le thème que nous allons donc aujourd'hui, ou le sujet qui va donc nous amener dans la prière en ces jours, c'est vaincre le péché. Nous savons tous que le péché, c'est la chose qui nous sépare de la présence de Dieu. Et si Jésus-Christ était venu ici sur la terre, c'était pour nous faire sortir du péché. Il nous a rachetés alors que nous étions pécheurs, afin que nous puissions être dans sa présence, craindre sa parole. Craindre la parole de Dieu, c'est être loin du péché. Et pour vaincre le péché, il faudrait demeurer dans la présence de Dieu. Il faudrait être un homme et une femme de prière. Parce que quand il y a la prière, il y a la force. Et avec cette force, c'est alors que nous pouvons résister le péché au diable, selon que la parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable, si vous le résistez au travers de la parole, c'est alors qu'il va vous laisser. Les désirs de la chair, le diable utilise tout cela pour amener les enfants de Dieu à pécher. Mais je voudrais déjà t'encourager ce matin. Que les 1 heure du temps que nous allons passer dans la présence de Dieu, ce n'est pas en vain, mais l'Éternel va encore nous fortifier afin que nous puissions être vainqueurs dans sa parole. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, le numéro 97, le verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main de méchants. » Je répète, le Psaume 97, le verset 10, la Bible dit, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et il délivre de la main de méchants. » Si vous aimez l'Éternel, vous allez haïr le péché. Si vous aimez Dieu, vous allez haïr le mal. Si vous aimez Dieu, vous allez vous consacrer à lui. C'est alors que le Seigneur va protéger et garder vos âmes. Il va garder nos âmes parce que nous sommes fidèles à lui. Et il va nous délivrer de tous les mains du méchant. Avant que nous puissions entrer dans le vif de notre prière ce matin, j'aimerais que tu puisses reconnaître que tu es vivant parce que Dieu te l'a accordé et que tu puisses élever ta main, que tu puisses élever ta voix et que tu puisses dire merci à Dieu, celui qui t'a protégé, qui a protégé les tiens et qui t'a donné ce temps de venir dans sa présence. Bien-aimé, élève ta voix et dis merci au Seigneur dans le nom de Jésus. Bon et tendre Père Céleste, nous venons à toi. Nous voulons te dire un grand merci pour tous tes bienfaits et tout ce que tu ne cesses de réaliser. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que c'est toi qui nous as toujours fait du bien. Et si nous sommes vivants, c'est grâce à toi.
Si nous sommes en bonne et due forme, c'est grâce à toi. Si nous sommes en parfait état de santé, c'est grâce à toi. Si nous pouvons parler aujourd'hui et que nous pouvons, Seigneur Dieu de gloire, avoir le souffle de vie, oui, c'est grâce à toi. C'est pourquoi je me rapproche de toi, Seigneur Dieu d'amour, tout simplement pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Car tes bienfaits, Seigneur Dieu de gloire, sont incommensurables. Tes bienfaits, Seigneur Dieu de gloire, ne peuvent pas être comptés. Car, Seigneur Dieu de gloire, dans le petit tout comme dans les grandes choses, toi, tu te glorifies. C'est alors que nous sommes vivants et que nous pouvons déclarer que nous avons la vie. La vie que nous avons, Seigneur, nous l'avons tirée de quelque part. Et ce n'est pas venu ex nihilo. La vie que nous avons, Seigneur Dieu de gloire, n'est pas venue dans le néant. Mais c'est une vie, Seigneur, que toi, tu nous as prêtée et que tu nous as donnée afin que Jésus-Christ et nous puissions te rendre gloire. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, mon âme te loue. Mon âme te rend gloire, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, parce que c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui nous fait du bien, et c'est toi, Éternel des armées, qui se glorifie, parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que loin de toi, nous ne pouvons rien. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que sans toi, ma famille ne peut pas vivre. Nous savons, Jésus-Christ, que si ce n'était toi, on n'allait pas nous réveiller ce matin. Mais Seigneur, nous avons ce temps de venir en ta présence parce que toi, tu nous l'as prêté. Et puisque tu nous l'as prêté, Seigneur Dieu de gloire, c'est de notre devoir de venir au devant de toi afin de te dire merci. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la grâce. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es notre rocher, notre lumière et notre bannière, notre bonté, notre grâce, notre force et notre joie. Notre tout, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi. Parce que dans tout ce que nous sommes, s'il y a quelque chose que nous demandons, Seigneur, et nous avons besoin, nous pouvons tout simplement nous rapprocher de toi selon que ta parole dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez donc s'accomplir. Mon Dieu, c'est une grâce que pour moi de venir en ta présence en ce début de la matinée afin de te rendre gloire et de te dire combien, Seigneur Dieu de gloire, je suis content et je suis émerveilleux par tout ce que tu accomplis. Je sais, Seigneur, que toi qui m'as réveillé, tu ne l'as pas fait seulement à moi. Il y a tant d'autres personnes que tu as fait et je te dis merci pour cela. Je te dis merci pour ma famille. Oui, je te dis merci pour ma femme. Je te dis merci pour mes enfants. Que tu continues, Seigneur Dieu de gloire, à renouveler ton souffle de vie en eux aussi. Parce que je sais, Seigneur, que le Dieu qui me garde, le Dieu qui est mon Dieu, est aussi leur Dieu et le Dieu qui les a toujours gardés. Ainsi, mon Dieu, mon roi, le mot me manquerait pour pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, exprimer la joie qui comble mon cœur pour tous tes bienfaits. Le mot me manquerait, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir, oui, réellement dire, Seigneur Dieu de gloire, ce que je ressens en moi. Parce que je suis comblé, oui Seigneur, je suis comblé de ton amour et je suis comblé de ta grâce. Car tout ce que moi j'ai et tout ce que je suis n'est que sujet, Seigneur Dieu de gloire, de ta grâce. C'est pourquoi je viens à toi pour te dire un grand merci. À toi et à toi seul, toi qui es le créateur des cieux et de la terre. À toi et à toi seul qui es mon Dieu et qui est ma force. À toi et à toi seul qui es, Seigneur Dieu de gloire, le Dieu qui me fait du bien. Parce que Seigneur, si toi tu me fais du bien, qui le fera? C'est pourquoi moi je viens, je m'accroche à toi et je me recommande tout simplement entre tes saintes mains. Parce que je sais, Seigneur, que tu es ma lumière et que tu es ma force. Je te dis merci, oui, Seigneur, parce que pendant la nuit, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses, Seigneur Dieu de gloire, se font. Mais ce qui est vrai qu'éternel, quoi qu'il y a beaucoup de choses qui se font, notre Dieu ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi, Seigneur, quand nous dormons, nous avons la tête, Seigneur Dieu de gloire, bien haute. Nous dormons avec grâce, nous dormons, Seigneur Dieu de gloire, avec toute gratitude, parce que nous savons, Seigneur, que ce n'est que toi, Seigneur, qui nous garde et qui nous protège. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à toi en ce début de la matinée. Laisse que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit magnifié, que ton nom soit adoré, parce que tu es fidèle à toi-même et tu es fidèle, Seigneur Dieu de gloire, à ta parole. Tout ce que tu dis, tu les accomplis et tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour ma famille,
Tu l'as fait, Seigneur, sur mes enfants et tu l'as fait, Seigneur, sur, Seigneur, Dieu de gloire, tout un chacun de nous, afin que nous tous, nous puissions bénéficier de ta grâce. Car la bénédiction que tu as pour nous, Seigneur, c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi nous reconnaissons déjà, Seigneur, Dieu de gloire, que tu es merveilleux. Oui, Éternel, quand nous passons la journée, nous savons, Seigneur, Dieu de gloire, que c'est toi qui nous l'as fait traverser. Et quand nous arrivons le soir, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, car ta parole dit, Seigneur, que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, toi qui es pour nous, tu as fait ce que nous puissions traverser une nuit merveilleuse par ta grâce et par ta bonté. Et c'est pourquoi, Seigneur, je ne manquerai pas d'exalter ton saint nom, de te magnifier et de t'adorer, parce que c'est toi qui es fidèle et ta fidélité n'a point de fin. Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba Mote Mananga, Nzamba Esengonanga, Mote Metondi Nasai Ponakolo Bakaka, merci. Merci Ponangai Moko, yes. Merci pour la bande Nangai, merci pour la moisi Nangai, merci pour la bande de Konangai, Abasi Pé Amibali, Bessiko Wapi, Seigneur Dieu de gloire, Ayo Memanga, enfin Kenako Kanakoye Bayo, Yo Ebi Mitema Yamoko Namoko, c'est pourquoi je prie pour qu'Éternel, désormais tu puisses te souvenir de tout le monde, de toutes les personnes qui me sont chères, de ma belle famille, Oyozali Peko Bate, la Pozali Kope Santango, Yakopou Sanaliboso Nayo. Bien-aimé, alors que tu as le temps de prier, ne cesse pas. Je t'encourage de prier parce que la prière, c'est notre dialogue avec Dieu. La prière, c'est le seul moyen que nous pouvons communiquer avec notre Dieu. La prière, c'est le seul moyen que nous pouvons utiliser afin de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ne reste pas calme. Élève ta voix et vois toutes les bonnes choses que l'Éternel a fait. Et moi, j'aimerais te dire, regarde même les petites choses auxquelles tu n'as jamais pensé. L'eau que tu bois, c'est l'Éternel qui te l'a donnée. Si tu t'es réveillé, tu as les habits sur toi, c'est le Seigneur qui te les a donnés. Si tu as le temps de manger, c'est l'Éternel qui te l'accorde. Et dans toutes choses, j'aimerais que tu revoies encore et que tu dises merci à ces dieux, car le mot nous manquerait pour les dire, mais utilise tous les mots que tu as afin de rendre gloire à ces dieux. Bien-aimé, élève ta voix et continue à prier. Continue à prier parce que notre Dieu est bon. God is good and God is great. Notre Dieu est bon et il est grand. Notre Dieu est magnifique et il est fantastique. Notre Dieu est merveilleux et il est Seigneur Dieu de gloire au-dessus de tout. Notre Dieu n'a jamais changé, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Notre Dieu, Seigneur, il nous fait grâce chaque jour et il nous assiste. C'est le Dieu que nous servons, le Dieu qui est derrière sa parole pour son accomplissement. Le Dieu qui nous fait du bien afin que nous ne puissions pas être, Seigneur Dieu de gloire, attaqués et que nous ne puissions pas tomber. C'est pourquoi, Seigneur, je me rapproche tout simplement de toi afin de te rendre gloire à toi et à toi seul, toi qui es le Dieu fantastique et le Dieu magnifique. Mon âme te dit merci. Je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci encore une fois de plus, Père éternel, parce que moi, je sais, Seigneur, que toi, en nous, c'est l'espérance de la gloire, selon que ta parole le déclare. Oui, éternel, désormais, je sais, Seigneur Dieu de gloire, que je suis vivant, parce que c'est toi qui continues à me donner la vie. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient me faire sortir de ce monde, mais Jésus, tu as préféré me protéger, me garder, parce que tu as su, Seigneur Dieu de gloire, tu as trouvé bon et tu as jugé bon que je sois fort au nom de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, je te dis merci. Bien-aimé, la Bible dit que vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est pourquoi je voudrais déjà que nous puissions entrer dans la prière et que tu puisses te sanctifier et que tu puisses te purifier, que tu puisses te laver, afin que tu puisses être digne de te tenir dans la présence de Dieu, car se tenir dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Se tenir dans la présence de Dieu, c'est une occasion. Se tenir dans la présence de Dieu, c'est quelque chose de fantastique et de merveilleux. Et pour se tenir dans la présence de Dieu, il faudrait que tu puisses être juste et pur devant le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses rentrer en toi-même. Fais l'introspection, lave-toi, sanctifie-toi,
Purifie-toi et garde-toi saint devant le Seigneur. J'aimerais ce que tu pries et que tu pries aussi pour ta famille. Car le matin que le Seigneur t'a donné, c'est pour que tu puisses tout commencer avec lui. Commence dans la sanctification, commence dans la purification, commence dans la volonté de Dieu, commence par la prière. Parce que la prière, c'est une grande porte qui est pour nous d'entrer directement chez notre Père afin de lui parler. Bien-aimé, élève ta voix et sanctifie-toi. Élève ta voix et sanctifie-toi. Sanctifie tes enfants. Sanctifie ta famille. Sanctifie tes frères et sœurs. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Oh bien-aimé, sanctifie-toi. Je viens me sanctifier, mon Dieu, mon roi. Je viens me laver, Père éternel. Je viens, c'est que Seigneur Dieu de gloire, que je sois digne. La parole déclare que Seigneur, que sans la sanctification, nul ne verra l'éternel. Sans la sanctification, nul ne verra l'éternel. C'est pourquoi moi je t'appelle et je te demande, Seigneur Dieu de gloire, de nous sanctifier et de nous purifier, de me laver par ton sang précieux et de te souvenir de mes frères et sœurs. Tous ceux-là qui sont en train de suivre ce programme, Parole Inspirée, Inspired Word, souviens-toi de tout le monde, souviens-toi de tout un chacun de nous, afin que nous ne puissions pas, nous lasser de purifier et de nous sanctifier. La sanctification de Dieu, c'est ce que toi tu demandes, Seigneur. Tu veux à ce que nous puissions nous sanctifier. Tu veux à ce que nous puissions nous purifier. Tu veux à ce que nous puissions nous laver. Tu veux à ce que nous puissions être dignes devant toi. C'est pourquoi, Père, je viens, je regarde tout mon être et je te demande encore, Seigneur Dieu de gloire, de me sanctifier et de me laver afin que je sois digne à chaque moment. Car je voudrais traverser des journées sans péché. Je voudrais traverser des mois sans péché. Je ne voudrais pas, Seigneur Dieu de gloire, m'éloigner de toi. Mais ce que je demande, c'est ta force. Car je sais que tu m'as accordé la force, mais j'ai aussi besoin de toi afin de maintenir la vie de la crainte de Dieu, et que l'Éternel soit loué et que l'Éternel soit magnifié. Bien-aimé, lave-toi, sanctifie-toi, appelle le sang de l'agneau, le sang de Dieu sur ta vie, le sang que le Seigneur avait versé, appelle ce sang-là sur toi afin que tu sois lavé, que tu sois sanctifié, que tu sois purifié, car la parole de Dieu dit que même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blanches que la neige. Et notre prière est que, Seigneur, que dans notre intérieur, dans notre homme intérieur et dans notre homme extérieur, Seigneur, que ta crainte puisse demeurer et vivre à nous. C'est pourquoi je viens, Seigneur. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, je viens encore me sanctifier. Je viens me purifier. Je viens me laver, car Seigneur, c'est ta volonté. Et c'est pourquoi je prie, parce que je n'aimerais pas, Seigneur, passer une journée sans être dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, je veux être dans ta présence à chaque moment, à chaque instant. C'est pourquoi je viens à toi. Mon Dieu, mon roi, prépare-moi. Prépare-moi, Seigneur, sur cette route. Lave-moi, mon Dieu, mon roi, sur cette route. Sanctifie-moi sur cette route, afin que je ne puisse pas faire ma marche arrière. Mais Jésus-Christ est le chemin de la sanctification. C'est un chemin que tu nous as donné gratuitement, selon que ta parole dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ces chemins, Seigneur Dieu de gloire, c'est un chemin, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as donné. Et je voudrais, Seigneur, que chaque jour que je sois dans la sanctification, que chaque jour que je sois dans la purification, chaque jour que je marche, Seigneur Dieu de gloire, dans la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et puisque moi, je t'appelle, je sais, Seigneur, une chose, et qu'Éternel des armées, que tout celui qui se confie en toi, mon Dieu, mon roi, il renouvelle sa force. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, afin que Jésus, que je ne puisse pas marcher selon les désirs de la chair. La chair amène à la mort, la chair amène loin de toi, la chair nous amène très loin de toi. Mais ce que moi je demande, Seigneur, c'est de rester et de demeurer toujours dans ta présence, car j'ai besoin de la sanctification. Laisse-moi aussi sanctifier mes enfants.
Laisse-moi sanctifier, purifier ma femme. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, que la crainte de l'Éternel soit une réalité réelle, une vérité, Seigneur Dieu de gloire, pour tout un chacun de nous. Que ce soit une vérité, la crainte de Dieu soit notre vie et notre partage. La crainte de Dieu, qu'elle soit ce que nous avons toujours cherché, et que, Seigneur Dieu de gloire, nous les trouvons seulement entre tes saintes mains. Car mon Dieu, mon roi, sans la sanctification, ta parole ne dit que nous ne pouvons pas te voir. Ta parole ne dit que nous ne pouvons pas communier avec toi. Sans, Seigneur Dieu de gloire, la crainte de Dieu, sans la sanctification, Seigneur Dieu de gloire, je serai comme toute autre personne. Mais ce que moi je demande, c'est que tu m'aides à sortir de cette enclave, afin que mon Dieu, mon roi, que je marche totalement dans la crainte de ta parole, que je vive dans la crainte de ta parole, que je fasse tout ce que je peux faire dans la crainte de ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais ce que nous puissions lire dans les livres des 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 24 et le verset 34. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Revenez à vous-même. That means, cela veut dire rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même comme il est convenable. Revenez à vous-même comme il est convenable. Et ne péchez point, connaissant pas Dieu. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. La Bible dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Bien-aimé, revenir à nous-mêmes, c'est-à-dire rentrer en nous-mêmes, que nous puissions regarder ce que nous sommes. Regarder ce que nous sommes. Il est convenable pour nous de revenir à nous-mêmes et de ne pas pécher, selon que la Bible dit dans 1 Corinthiens. C'est pourquoi, bien-aimé, je sais que tout le monde est en train de struggler à une difficulté. La difficulté, c'est de laisser le péché. Cette difficulté, c'est d'abandonner le péché. Cette difficulté, c'est de ne pas pécher. C'est pourquoi, bien-aimé, je me réjouis que tu puisses rentrer en toi-même, reconnaître que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux vaincre. C'est pourquoi je me réjouis que tu puisses encore allumer la puissance du Saint-Esprit en toi, que tu puisses réanimer le pouvoir du Saint-Esprit en toi, que tu puisses encore te soumettre et te recommander entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse t'assister et que tu ne puisses pas demeurer dans le péché. Bien-aimé, le péché, c'est quelque chose de mauvais. Bien-aimé, le péché, c'est la chose qui nous sépare de Dieu. Bien-aimé, le péché, c'est ce que Dieu haït. La Bible déclare que notre Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Il n'aime pas le péché. C'est pourquoi, bien-aimé, lui qui te tend la main, il veut à ce que tu puisses abandonner tous les péchés. Et c'est pourquoi la Bible dit, revenez à vous-même, rentrons en nous-mêmes et faisons ce qui est convenable, ne péchons point. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je me réjouis que tu puisses prier et que tu demandes au cher Saint-Esprit de t'assister et d'être en toi, afin que sa force soit ta force, afin que son courage soit ton courage, et que là où il ne veut pas, c'est que tu puisses tomber, que tu ne puisses pas tomber, parce que l'Esprit de Dieu vit en toi et l'Esprit de Dieu est en toi. Bien-aimé, ne reste pas calme. Ce moment qui t'est donné, c'est pour que tu puisses prier. C'est pourquoi élève ta voix. Oh bien-aimé, élève ta voix dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens, mon Dieu, mon roi, pour la sanctification, la crainte de ta parole. Je veux, mon Dieu, mon roi, que ton esprit m'assiste. Car, Seigneur Dieu de gloire, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est alors que moi je réussirai. Père, je voudrais que tu puisses encore activer, mon Dieu, mon roi, cher Saint-Esprit, réactive-toi en toi, en moi, afin que Jésus, que je puisse marcher dans la lumière et dans la persévérance du Saint-Esprit, et que je puisse marcher dans la crainte de Dieu Tout-Puissant, et que je ne puisse pas m'adonner à ce qui est mondain. Mon Dieu, mon roi, je voudrais vaincre le péché, et pour cela, j'ai besoin
besoin de toi, que tu élimines en moi, oh, cher Saint-Esprit. Élimine en moi, élimine dans ma vie, élimine dans mon cœur, afin que le Saint-Esprit, toi seul, puisse agir et que tu puisses m'amener et me persuader à ne point aller à gauche, tout comme à droite, mais à demeurer selon que ta parole dit, si vous demeurez en moi, moi je voudrais demeurer en toi, moi je voudrais rester en toi, moi je ne veux pas m'éloigner de ta présence, car loin de ta présence, Seigneur, il n'y a que mort, il n'y a que chagrin, il n'y a que des choses mauvaises. C'est pourquoi je prie, Éternel, ensemble avec mes frères et sœurs, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous, El Shaddai, souviens-toi de nous, Ebenezer, souviens-toi de nous, toi qui es fidèle, souviens-toi de nous, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de ton esprit. La Bible déclare, Jésus-Christ, que c'est toi qui nous avais promis. Et tu as dit, ne vous déplacez pas, restez là où vous êtes, jusqu'à ce que j'enverrai le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il est venu comme un vent impétueux qui était venu sous la forme de la langue de feu au-dessus de tous tes disciples et de tes serviteurs. C'est le 120 qui était à la chambre haute. Mon Dieu, mon roi, ce que je demande, c'est la manifestation du Saint-Esprit en moi, afin que je sois fort, car ta parole dit, laisse que tous ceux qui sont faibles disent que je suis fort à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et accompli. Et c'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, moi je prie en ce moment, afin que El Shaddai, que ma force diminue, que ma force ne soit absolument rien, parce que je reconnais, Éternel, que moi, tout ce que je ferai m'amènera seulement à la perdition et à la mort. C'est pourquoi j'ai choisi de te suivre, Jésus-Christ. J'ai choisi de marcher comme toi, Jésus-Christ. J'ai choisi que le Saint-Esprit illumine et vit en moi. Cher Saint-Esprit, je suis là à ta portée. Je suis là parce que c'est toi qui assistes. Je suis là parce que c'est toi qui diriges. Je suis là parce que c'est toi qui nous fais du bien. Je suis là parce que c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui nous fais du bien. Mon cher Saint-Esprit, je veux que tu vives, oh, pleinement en moi. Vis pleinement dans mon cœur. Vis pleinement en moi, afin que je ne puisse pas rentrer en arrière, mais que ta lumière m'amène à persévérer dans la crainte de ta parole et de marcher selon ta volonté. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses m'assister, que tu puisses m'assister et que toi seul puisses me diriger, afin que, Père éternel, que je ne puisse pas régresser, car la Bible dit, revenez en vous-même, je rentre en moi-même et je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis loin de toi, je reconnais, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y a des choses qui peuvent m'amener encore très loin de toi, mais ce que je demande, c'est que, Seigneur Dieu de gloire, que je ne puisse pas demeurer dans ces choses, mais je voudrais, Seigneur, foncer avec toi, marcher avec toi, vivre avec toi, afin que, Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit exalté. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle du fond de mon cœur. Je voudrais, Seigneur, que tu m'assistes et que tu te glorifies à mon endroit, car j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu puisses m'assister. J'ai tellement besoin que tu puisses me conduire. C'est pourquoi je viens. Cher Saint-Esprit, agis à moi. Cher Saint-Esprit, illumine à moi. Cher Saint-Esprit, sois dans mon cœur et conduis mes pas, afin que je sois fort dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas toi-même. Sans le Saint-Esprit, moi, je ne saurai pas de même. Sans le Saint-Esprit, où est-ce que j'irai? Sans le Saint-Esprit, où est-ce que tu iras? L'apôtre Pierre avait dit, c'est toi qui détiens les paroles de la vie. Où irions-nous donc? C'est pourquoi, Seigneur, pour que nous puissions vaincre ce monde, nous avons tellement besoin de toi. C'est pourquoi je viens à toi. Oh mon Dieu, mon roi, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Assiste-moi, Seigneur Dieu de gloire. Je viens à toi pour que tu puisses, Éternel des armées, m'assister. Bien-aimé, et je veux à ce que nous puissions entrer dans le vif de la prière. Car, bien-aimé, si tu te reconnais toi-même, tu connais tes faiblesses, tu connais là où tu es limité. Mais je voudrais à ce qu'aujourd'hui, que tes limites tombent, afin que tu sois fort et que tu déclares que le Seigneur est au contraire.
contrôle, que tu déclares que l'Éternel va t'assister. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux assez que tu puisses, oh bien-aimé, regarder en toi-même. La Bible nous dit dans le livre des Actes, le chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde en vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Faites donc attention et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est vrai que cette parole est pour ceux-là qui sont en train de conduire, mais je veux à ce que tu puisses te dire toi aussi qu'il faudrait que tu fasses et que tu prennes garde afin que tu ne puisses pas te retrouver loin de la parole de Dieu. Bien-aimés, je veux à ce que tu pries en ce moment et que tu dises, cher Saint-Esprit, je sais que je suis faible, mais j'ai besoin de la force. Demande la force afin que le péché ne puisse pas primer sur toi. Demande la force afin que le péché ne puisse pas monter sur toi. Demande la force afin que tu sois au-dessus du péché dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, je prie parce que je connais le Dieu qui est avec moi, le Seigneur Dieu de gloire, l'agneau de Dieu le véritable, les lions de la tribu de Juda. Père, je viens vers toi, je demande la force. Ma force vient de toi, ma force est entre tes saintes mains, ma force c'est en Jésus-Christ. Ma force c'est le nom de Jésus, ma force c'est toi Elohim, ma force c'est toi. C'est pourquoi je viens et je demande. Car mon Dieu, mon roi, sans toi je suis avec, je n'ai pas de force. Sans toi je suis, Seigneur, nul. C'est pourquoi je viens demander la force de me tenir contre le péché, de résister contre le péché, la force d'être, Seigneur Dieu de gloire, de ne pas me souillir, la force de ne pas, Seigneur Dieu de gloire, rester dans le péché. Mais ce que je demande, c'est pour que je sois, Seigneur, fort et que cette force, Seigneur, provienne seulement de toi et que je puisse, Seigneur, être au-dessus de tout péché. Le Dieu que je sers, c'est celui qui me rend capable. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre, car l'Éternel vit, l'Éternel est en moi, le Dieu de ma vie est avec moi. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre. Mon Dieu, tu es fidèle et tu es Dieu. Mon Dieu, tu es glorieux. Je viens à toi, Seigneur, fortifie-moi. J'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de ta force, j'ai tellement besoin de ton courage, j'ai tellement besoin, Seigneur, que tu sois au-devant de moi et que tu me conduisent. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, pour la grâce. Oui, Jésus-Christ, ta grâce, je la demande, parce que je connais, Seigneur, que quand toi, tu m'es rêvé de ta force, je veux marcher dans ce monde, quoique, Seigneur, vivant dans ce monde, mais je me distinguerai, selon que ta parole dit, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ainsi, je veux agir comme une personne qui n'est pas de ce monde, et que je suis, Seigneur Dieu de gloire, du Père céleste, car je connais là où je viens. L'Éternel m'a fait sortir de l'éternité et je rentrerai encore dans l'éternité, et cette fois-ci c'est pour vivre avec mon roi. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, je viens à toi et je viens à toi. J'ai besoin de la force. Chaque jour quand je sors, donne-moi la force. Quand je suis devant mon téléphone, donne-moi la force. Quand je suis devant l'ordinateur, donne-moi la force. Devant mon laptop, au Seigneur Dieu de gloire, donne-moi la force. Devant mon iPad, donne-moi la force de ne pas succomber, de ne pas tomber, de ne pas brancher. Car à toi, tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, que nous avons besoin de toi afin de ne pas brancher. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, je sais, Seigneur, qu'avec toi, c'est alors que je réussirai. Et c'est pourquoi je t'appelle, afin que tu puisses te glorifier. Mon Dieu, mon roi, je prie. Alléluia. Seigneur, je demande ta force pour que je puisse, Seigneur Dieu de gloire, réussir, pour que je sois victorieux dans ce monde et que ma vie chrétienne soit une vie, Seigneur, qui craint ta parole. J'ai tellement besoin de toi. C'est pourquoi je t'appelle, mon Dieu. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi El Shaddai, hallelujah. Manifeste-toi Adonai. Manifeste-toi Nzambenalola. Manifeste-toi toi qui es le rocher des âges. Manifeste-toi toi qui es le prince glorieux. Manifeste-toi toi qui es le Dieu fidèle. Manifeste-toi toi qui es l'agneau de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta force. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur. Je voudrais que tu me remplisses de ta force. Et que chaque jour que je sois dans la force. Et que chaque jour que je vis dans la force. Et que chaque jour, Seigneur, que je m'adonne à toi. Car
Car éternel, toi à moi, je suis plus que vainqueur. Toi à moi, je suis victorieux. Toi à moi, je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi je t'invoque. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans ma vie. Bien-aimé, ne reste pas calme. Quand il s'agit du péché, tu as besoin d'être fort. Quand il s'agit du péché, tu as besoin de marcher sur le péché. Quand il s'agit du péché, il faudrait que tu sois sobre et que tu restes debout. C'est pourquoi je te demande, pour que ta journée soit meilleure et que tous les autres jours soient meilleurs, tu as besoin de la force, et cette force que le Seigneur, c'est le Seigneur qui la donne. C'est pourquoi je m'arrache que tu reconnaisses et que tu demandes, que tu implores, car la Bible dit, implore l'Éternel, demande au Seigneur, demande la force, car sans cette force-là, tu ne peux rien. Bien-aimé, prie, car ta vie en dépend. Et je m'arrache que cette fois-ci, que tu pries aussi pour ta famille, que tu pries pour tes enfants. Car, bien-aimé, si toi tu es fort et que ta famille est faible, tu risquerais d'être tenté et de tomber aussi. Tu risquerais d'être empêché, enfin de tomber encore dans le péché. Mais il faudrait que tu demandes, si tu es un enfant, prie et demande pour que tes parents marchent conformément à la parole de Dieu. Et si tu es le parent, demande à ce que le Seigneur puisse agir dans ton foyer, afin que tes enfants marchent dans la crainte de Dieu, tes enfants marchent dans la volonté de Dieu, que tes enfants marchent dans la puissance du Très-Haut, que tes enfants marchent au-dessus de toutes choses. Bien-aimés, la prière, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de la force. Mon Dieu, je viens et je prie pour que mes enfants marchent conformément à ta parole et que mes enfants ne puissent pas retourner en arrière, car retourner en arrière, Seigneur, amène la mort, amène, Seigneur Dieu de gloire, la chute, comme c'était le cas de la femme de Lot. Mon Dieu, mon roi, ta parole dit qu'elle s'est retournée et qu'elle a regardé derrière, elle a succombé et elle est devenue, Seigneur Dieu de gloire, une statuette en sel. Père, moi je prie en ce moment et je prie de tout mon cœur, je prie de toute ma force, je prie, Éternel des armées, afin que toi qui me fortifie et qui fortifie aussi mes enfants, toi qui fortifie ma femme et toi qui nous donne le courage, afin que nous ne puissions pas retourner en arrière, car retourner en arrière nous amène à la mort, nous amène au péché, nous amène dans le désarroi. Mais nous voulons percer. Pour percer, nous avons besoin de Dieu. Pour percer, nous avons besoin de la présence de Dieu. Pour percer, nous avons besoin de la grâce et de la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi, bien-aimé, je m'arrache que tu puisses prier. Prie, élève ta voix. Prie, élève ta voix dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ô Père éternel, je prie encore dans le nom de Jésus. Je prie pour mes enfants. Mon Dieu, touche mes enfants. Guide mes enfants. Garde-les alors qu'ils sont en train de sortir pour aller à l'école. Sois avec eux et permets, Seigneur, qu'ils soient forts, qu'ils soient forts. Afin que quand ils sont à l'école, qu'ils ne puissent pas tomber, qu'ils ne puissent pas succomber au péché, mais qu'ils soient forts et que Jésus-Christ, quand ils sont forts, c'est alors qu'ils réussiront à marcher conformément à ta parole. Je sais que dans ce monde, les enfants auront donc à rencontrer beaucoup de choses, mais ma prière est que tu puisses les épargner. Épargne-le, mon Dieu, mon roi. Épargne-le, mon Dieu, mon roi. Et aide-le, Seigneur, à connaître et à comprendre là où c'est mal et c'est mauvais, qu'ils ne peuvent pas marcher selon les désirs de la chair, qu'ils ne puissent pas s'adonner à la chair. Mais Seigneur, qu'ils soient forts, et dans leur force, Seigneur, je prie que toi seul puisses diriger, conduire. C'est pourquoi je prie, mon Dieu, mon roi, que la peur des Seigneurs de gloire de ce monde ne fasse pas partie de mes enfants, mais que moi et ma famille, comme Josué l'avait dit, nous servirons l'Éternel. Et pour servir l'Éternel, nous avons besoin de marcher selon les prescriptions de Dieu, selon la crainte de l'Éternel, selon la présence de Dieu. Et c'est pourquoi je te demande, bien-aimé, continue à prier. Alléluia. Et maintenant, nous allons prier pour que l'Éternel, oh, nous montre les chemins, nous évite les chemins dans lesquels nous allons nous pouvons donc tomber. La Bible dit que le diable, il est malin. Il est en train de rôder autour de nous comme un lion rugissant, en train de chercher qui dévorer. Oui, le diable, quand il en a l'occasion, il va dévorer et il va dévorer bien. C'est pourquoi, bien aimé,
Je veux assez que tu puisses demander à l'Éternel et que chaque pas que tu fais, que tu ne puisses pas tomber dans le plan démoniaque du diable, que tu ne puisses pas rencontrer au devant de toi les Jézabel, que tu ne puisses pas te rencontrer avec cette femme dont les livres des proverbes parlent, cette femme qui s'apprête là chez elle afin de sortir dehors et de pouvoir amener le jeune dans la séduction. Bien-aimé, je veux assez que tu pries pour que le monde ne puisse pas t'amener dans leur chemin et que le diable ne puisse pas t'avoir dans son nid, dans là où il veut ce que tu puisses tomber, mais que chaque fois qu'il est en train de faire un piège pour toi, pour que tu puisses tomber, que tu n'y tombes pas et que c'est lui qui tombera, c'est celui qui a fait ce piège. C'est pourquoi tu vas prier afin que tu marches dans la droiture de la parole de Dieu et que tu ne succombes pas au piège du diable, car chaque jour, le diable nous met des pièges. Il est en train de rôder pour chercher à tuer, à dérober, à détruire. Mais nous allons prier afin que là où il y a le plan démoniaque, là où il y a des pièges diaboliques, que nous ne puissions pas tomber. Là où il y a des pièges pour le péché, que nous ne puissions pas succomber. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je viens. Je sais que chaque jour nous marchons. Chaque jour nous sommes sur la route. Chaque jour nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Mais Seigneur Dieu de gloire, ma prière et que Jésus-Christ, quand bien même nous marchons, quand bien même nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu de gloire, épargne-nous, mon Dieu. Épargne-nous, El Shaddai. Épargne-nous, ô bon Dieu. Épargne-nous, afin que, Père, que je ne puisse pas me retrouver. Oui, que je ne puisse pas me retrouver, Seigneur Dieu de gloire, dans le piège du diable. Car, mon Dieu, mon roi, je t'appartiens et à toi seul. C'est pourquoi je voudrais, c'est que chaque fois que je marche, mon Dieu, mon roi, que ton esprit parle à mon esprit et que ton esprit me convainc de ne pas, Seigneur, me laisser aller dans sur les chemins que toi tu n'as pas approuvé, sur les chemins que toi tu n'as pas montré, sur les chemins que toi tu n'as pas donné. Non, mon Dieu, mon roi, je prie pour que la force, Seigneur, de l'Éternel soit avec moi et que la force de Dieu m'accompagne et que je ne tombe pas. Je me souviens de ce jour-là, alors que Joseph a été tenté pour tomber dans le péché, alors que Joseph a été tenté pour demeurer dans le péché, mais Jésus-Christ, le piège qui était là, il a su sortir de ce piège afin de ne pas pécher. Et moi aussi, je prie en ce moment et que toi seul, mon Dieu, puisse m'accorder l'intelligence, la sagesse, la force, afin que je ne puisse pas succomber dans le péché, car le péché, c'est ce qui m'amène à la mort. Oui, ça amène à la mort. Et la Bible dit que le péché, c'est ça même, la mort. Le diable utilise le péché afin de nous séparer de la présence de Dieu. Et moi, je veux, Seigneur, marcher conformément à ta parole. C'est pourquoi je demande, quels que soient les pièges qui ont été formés contre moi, la Bible dit que toute arme forgée contre moi, toute arme formée contre moi sera nulle et sans effet. Et moi aussi, je le déclare, parce que toute arme, c'est tout piège, c'est toute chose que le diable est en train d'utiliser afin de m'amener à la perdition et à la mort totale de ma vie. Mais moi, je prie en ce moment, afin que, Père éternel, que le diable ne puisse pas me convaincre, que le diable ne puisse pas me faire succomber. Mais je voudrais rester debout dans la présence de Dieu, debout, Seigneur, pour que je puisse bénéficier de ta grâce. Et c'est pourquoi je prie aussi pour le mien. Oh, dans mon foyer, dans ma maison, je prie pour la famille élargie. Père, fortifie-nous et donne-nous la force. Cette force que nous demandons, c'est pour que Jésus-Christ, nous puissions rester vivants dans la crainte de ta parole, faisant ce que toi tu veux, et que Jésus-Christ, tu sois satisfait de ce que nous sommes en train de faire. Non pas, Seigneur Dieu de gloire, marcher dans la communion de ce monde, mais vivre dans la communion que l'Éternel nous a donnée, fraternelle, mais en marchant aussi conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie, Père, je sais une chose, que ceux qui élèvent ta voix, leur voix pour t'appeler, Seigneur, toi tu t'es manifeste. Ainsi, en ce moment, je veux à ce que tu te manifestes en ce lieu dans ma vie, que tu te manifestes dans cette maison, dans la vie de mes enfants, que tu te manifestes, ô Seigneur, là où mon fils Discaé, et que Jésus-Christ, que ta grâce y soit. Alléluia, je suis en train de demander, ô Jésus-Christ, la force et la puissance, et que Jésus-Christ, que je ne puisse pas succomber
délivrer, selon que ta parole dit, ne nous induis pas dans la tentation, quelles que soient les tentations, quels que soient les péchés qui peuvent se tenir au-devant de nous. Mon Dieu, mon roi, je veux que nous puissions rester fermes, fermes dans la crainte de Dieu, que nous puissions fermer, c'est rester, Seigneur Dieu de gloire, dans ta puissance et dans ta grâce, parce que tu es notre rocher. Alléluia. Les dieux que je sers, c'est celui qui est vivant. Les dieux que je sers, c'est celui qui est à moi. Les dieux que je sers, c'est celui qui ne m'abandonne jamais. Les dieux que je sers, c'est celui qui est derrière sa parole pour son accomplissement. Ainsi, mon Dieu, mon roi, je prie pour que, Seigneur Dieu de gloire, que les diables ne puissent pas m'avoir, que les diables ne puissent pas me faire tomber, que les diables ne puissent pas m'amener à tomber. Mais Jésus, que je sois fort. Alléluia. Alléluia. Je connais les dieux que je sers. Je connais mon roi. Je connais la puissance de mon Dieu. Je connais la victoire de mon Dieu. Je connais ce que le Seigneur représente pour moi. Bien-aimé, le Seigneur qui est avec nous, il nous connaît plus que nous-mêmes. Ce que je veux, c'est que tu puisses demander et que tu aies le courage d'abandonner toutes les choses, tous les péchés qui te sont chéris. Et pour que cela arrive, tu as besoin de la prière, tu as besoin de rester dans la présence de Dieu. C'est pourquoi en ce moment, tu vas utiliser ta parole, cette parole que le Seigneur t'a donnée. Tu vas utiliser la parole pour que tu puisses demander, pour que tu puisses parler et que tu puisses dire, à partir d'aujourd'hui, tous ces petits péchés qui me ramènent toujours en arrière, tous ces petits péchés qui me ramène toujours en arrière. Bien-aimé, dégage-toi de cela. Et pour que tu aies cette force, tu dois prier. Demande à l'Éternel, car la Bible déclare que tout ce que vous demanderez à mon nom, il n'y a pas de limite à ce que nous allons demander. C'est pourquoi n'aie pas honte. Ne reste pas calme, mais demande au Seigneur que dans tes faiblesses, que là où tu tombes le plus souvent, que Dieu puisse te donner la force, afin que tu ne puisses pas tomber. Et que cette fois-ci, que tu sois libéré. Libéré, prie pour la libération de ton cœur, la libération de ton âme, la libération de ton esprit, et que tu sois réellement libre, car la parole de Dieu dit, oh, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est pourquoi prie bien-aimé, afin que cette liberté de Dieu fasse partie de ta vie, et que tous ces péchés chéris, tous ces péchés auxquels tu es collé, tu es là, tu n'arrives pas à te détacher, que tu puisse te détacher à dater donc d'aujourd'hui, en ce moment même, car la journée de jeudi, c'est la journée que l'Éternel t'a donnée, et ce moment l'Éternel te donne, afin que tu puisses prier, et que tu puisses abandonner le vieil homme, et que tu ne puisses pas aller de l'avant et retourner vers le vieil homme, que tu puisses aller le chemin de non-retour, et que tu puisses être fort dans le nom de Jésus. Ô Éternel des armées, je viens à toi, Yahya, je viens à toi, Elohim, je viens à toi, Ebenezer. Je viens à toi, toi qui es le prince glorieux. Je viens à toi, toi qui es le Dieu tout-puissant. Je viens à toi, toi qui es notre rocher. Père, je prie dans le nom de Jésus. En ce moment, je prie Éternel des armées pour que tu puisses te glorifier. C'est pourquoi je veux en ce moment, Seigneur, que tu puisses te manifester et que tu puisses te glorifier. Car tu es tellement bon, tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Et moi, je t'appelle parce que sans toi, je ne peux rien. Éternel, donne-moi le courage de ne pas retourner en arrière. Donne-moi le courage de ne pas retomber encore dans le péché dans lequel j'étais autrefois. Quand, Seigneur, tu m'as appelé et j'ai struggle pour pouvoir sortir, en ce moment, je demande pour que je ne puisse pas retourner. Car, Éternel, c'est ta volonté pour que moi, je puisse, Seigneur, marcher conformément à ta parole. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que c'est toi qui m'aides. Je ne veux pas retourner derrière le vieil homme. La Bible déclare qui sont donc ces personnes qui aimaient comme un chien qui vomit, qui va encore vers le vomitement pour le reprendre. Mon Dieu, mon roi, je ne veux pas, parce que cela est très mauvais. Je ne veux pas, Seigneur, les choses auxquelles toi tu m'as déjà délivré et que je puisse y retourner. Et à dater d'aujourd'hui, toutes ces choses qui me gardaient encore captif dans ce monde, qui me gardent encore captif du péché, que je sois totalement délibéré, que je sois totalement libéré. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, je prie et je demande. Car
Car ta parole dit, demandez. Et moi, je le demande en ce moment, en connaissant le Dieu que je sers. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est glorieux. Seigneur, libère-moi. Alléluia. Libère-moi, Jésus. Je veux être libre. Je veux être totalement libre. Et ma liberté, c'est en ton nom. Ma liberté, c'est entre tes saintes mains. C'est pourquoi je prie éternel. Oh, Nazana Posana Yomo Santo. J'ai tellement besoin de toi, Elohim. J'ai tellement besoin de toi, mon Dieu. J'ai tellement besoin de toi et de ta force, afin que le péché ne puisse pas me gouverner. Mais Jésus, que je gouverne mon corps et que je puisse le guider au travers du Saint-Esprit, afin que je reste ferme et que je marche selon les prescriptions de notre Dieu, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Car cette parole que toi tu nous donnes, c'est pour que nous puissions nous distinguer. Comment pourrais-je me distinguer de ce monde si je suis en train de faire les choses de ce monde? Comment pourrais-je me distinguer de ce monde si je suis en train de suivre le vent de ce monde? C'est pourquoi je prie en ce moment, Seigneur, que je sois libre et que je sois libéré. Que je sois libre et que je sois complètement libéré. Parce que je connais le Dieu qui est avec moi. Alléluia. Mon Dieu, tu es vivant et tu es fidèle. Mon Dieu, tu es vivant et tu es glorieux. Mon Dieu, tu es vivant et tu es celui, Seigneur, en qui je place ma confiance. Mon Dieu, je ne veux pas retourner vers le vomissement. Mais Seigneur, je voudrais être libre, libre et libre encore, afin que Jésus-Christ, que le péché ne fasse pas partie de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je connais le Dieu que je sers. Je connais mon roi. Je connais la fidélité de Dieu. C'est pourquoi je viens à toi. Oh, la Bible déclare, Seigneur Dieu de gloire, que tu es derrière ta parole pour, Seigneur Dieu de gloire, son accomplissement. Ainsi, agis en moi et accomplis ta parole qui dit, tout ce que nous demanderons, toi tu nous les donnes à part la prière. Ainsi, Seigneur, je prie pour que je sois libre du péché, libre, Seigneur Dieu de gloire, de ne point pécher. Je prie pour mon foyer, je prie pour ma maison, je prie pour mes enfants, afin que nous ne puissions pas tomber dans le péché. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour la journée. Cette journée que le Seigneur te donne, c'est une très bonne journée. Cette journée que le Seigneur t'accorde, c'est une bonne journée. Cette journée que le Seigneur veut assez que tu puisses y réjouir. Car la Bible dit que c'est aujourd'hui les jours que le Seigneur a fait, afin que nous puissions nous réjouir et être contents. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prier et recommander la journée. Que partout tu passeras, que tu puisses vaincre le péché. Partout tu iras. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit parmi tes amis, partout tu seras, que tu ne puisses pas pécher, afin que tu saches que Dieu est capable de t'assister. Fais-le, prie et l'Éternel te soutiendra. Fais-le, prie et le Seigneur est à tes côtés. Fais-le, prie, parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. L'Éternel est là et il agit. Bénis donc la semaine. Recommande la journée entre les mains de Dieu. Recommande ta sortie. Quand tu sors après 6 heures, quand tu seras là dehors, jusqu'à ce que tu rentreras, que le Seigneur t'épargne, que le Seigneur te fasse grâce. Élève ta voix au nom de Jésus. Et moi, je prie, mon Dieu, mon roi, car je vais sortir. Et quand je sors, Seigneur, je connais une chose, et que Père éternel, c'est toi qui marches avec moi. Et quand toi tu marches avec moi, je n'ai rien à craindre. Car ta parole dit que tous ceux qui espèrent en toi, mon Dieu, mon roi, oh, ils ne sont jamais confondus. Alléluia. Mon Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es glorieux. Mon Dieu, tu es magnifique. Mon Dieu, je recommande ma sortie. Partout où je vais passer, au travail, partout où je vais aller, oh, dans des shops, partout où je vais aller, oh, parmi mes amis, et oh, là où je vais aller, et même à l'église, mon Dieu, mon roi, épargne-moi des péchés, afin que, Seigneur, que je puisse déclarer, Seigneur, que tu es avec moi. Je sais, Seigneur, que cela est possible. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre. Et moi, je te le demande dans le nom de Jésus. Oh oui, éternel, je prie aussi pour mes enfants. Car, Seigneur Dieu de gloire, dans cette prière matinale, nalosambo yatongo, yozalikoyo kabiso, tu ne nous laisses pas. C'est pourquoi je prie, afin que ma famille, Seigneur, soit bénéficiaire de ta grâce. Et que pendant les 1 heure que nous
nous sommes en train de prier que nous puissions totalement, réellement vivre ta grâce et que nous puissions bénéficier, Seigneur, de toutes ces choses que toi tu as en réserve pour nous et que Jésus-Christ, nous puissions marcher sur les pas de Jésus-Christ comme notre roi, comme le Seigneur Jésus, comme notre rocher, comme notre force. Père, je prie en ce moment tout en connaissant que ce n'est que pour toi que je vis. Alléluia, Dieu, tu es vivant. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es magnifique. Éternel, tu es celui en qui moi je place ma confiance et je n'ai rien à craindre car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier encore pour la journée et que l'Éternel marche avec toi, qu'il marche aux côtés de toi, qu'il marche dans, que tu sois dans sa présence. Bien-aimé, demande-le au Seigneur. Je veux que tu le demandes. Demande aussi pour tes enfants. Demande pour tes frères et sœurs. Parce que quand le Seigneur marche avec toi, tu es dans la force. Tu sais, vous savez, quand Moïse avait su que l'Éternel avait dit qu'il ne marchera pas avec eux dans le désert, il a dit non, je ne veux pas que je puisse marcher avec les anges, mais je veux que je puisse tout simplement que toi, Dieu, tu puisses marcher avec nous. Et quand Dieu marche avec toi, tu as l'assurance. Quand Dieu marche avec toi, tu es dans le bon. Quand Dieu marche avec toi, tu es dans la force. C'est pourquoi je veux que tu pries, afin que durant toute la journée, que l'Éternel marche avec toi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je prie et que cette journée, toi seul, puisse marcher avec moi, car j'ai tellement besoin, Seigneur, de marcher avec toi. Et sans toi, Seigneur, Dieu de gloire, où irais-je encore? Où irais-je encore, mon Dieu? Où irais-je encore? C'est pourquoi je te demande, assiste-moi, aide-moi, conduis-moi, et enfin que ton nom soit béni. Père éternel, je ne veux pas marcher avec les anges, je ne voudrais pas marcher avec d'autres personnes, mais Seigneur, ce que je demande est que je marche dans ta présence et que toi seul puisses marcher avec moi, car quand toi tu marches avec moi, je suis comblé et je suis dans la joie, dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Père éternel, parce que tu es fidèle et je sais que tu les restes à jamais. Bien-aimé, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un. Car la Bible dit dans les livres de Proverbes, le chapitre 4, le verset 23 jusqu'à 27. Mais nous allons lire cette partie tout simplement. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne-toi de tes lèvres, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Bien-aimé, la Bible nous le dit très bien. Et la Bible est très claire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant. La Bible nous interpelle de garder notre cœur. Bien-aimé, si tu perds ton cœur, et pour perdre ton cœur, il n'y a que quand le diable t'est fait détourner que tu es dans le péché. Ne tombe pas dans le péché, garde ton cœur plus que toute autre chose. Laisse que ton cœur soit dans la sanctification, que ton cœur soit dans la purification. Car de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux, as besoin de la vie, il faudrait que tu gardes ton cœur. Il faudrait que tu gardes ton âme. Il faudrait que tu te gardes là-dedans, afin que rien de mauvais ne puisse y entrer. Sinon, tu perdras ta vie. Et la Bible dit, écarte de ta bouche la fausseté. La fausseté, le mensonge. La fausseté, tout ce qui est mauvais. Et enlève ça de ta bouche. Écarte-toi. Il y a les préalables. Tu viens de faire une grande prière, mais il y a les préalables. Il y a des choses que tu dois faire pour demeurer dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je te prie et je te demande, bien-aimé, de pouvoir mener une vie saine, une vie de la sainteté, une vie de la crainte de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses méditer ce livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 23 jusqu'à 27. Lis-le pour ta journée. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. N'oublie pas que le Seigneur te conduit. N'oublie pas que le Seigneur est en train de marcher avec toi. Nous ne pouvons donc pas terminer ce programme par le Samboyatongo. On ne peut pas terminer ce programme sans pour autant recommander
toutes choses entre les mains de Dieu. Nos enfants vont aller à l'école. Nous irons au travail. Il y a des multitudes de choses que nous allons faire. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses prier afin que le Seigneur soit avec toi, que la journée soit une journée merveilleuse, une journée que tu as commencé par la prière, une journée qui sera entre les mains de Dieu, une journée qui est bénie d'avance, une journée qui est merveilleuse et qui est bénie à cause de l'Éternel. Je veux que tu pries pour quelques justes, quelques minutes là, pour quelques secondes, afin de bénir ta journée et de bénir les personnes autour de toi, les personnes qui te sont chères, les personnes qui vivent avec toi, tes parents, tes frères et sœurs, tes enfants, et que nous puissions aussi prier pour la paix du monde, la paix dans le pays dans lequel tu te retrouves. Prie aussi pour la paix, prie pour la grâce de Dieu. Prie et que les États-Unis et que nous puissions aussi avoir la paix. J'aimerais que tu puisses prier au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci. Car Éternel, ton amour est si grand. Toi qui nous accordes chaque jour une heure de prière, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que c'est dans ta fidélité. Et nous voulons aussi être fidèles. Et que, Seigneur Dieu de gloire, chaque jour, que nous puissions passer le premier, Seigneur Dieu de gloire, la première heure du matin, oui, avec toi. Parce que c'est dans la première heure, Seigneur Dieu de gloire, que tu fais des choses merveilleuses. Ainsi, Seigneur, bénis cette journée. Marche avec nous. Sois avec nos enfants dans les écoles. Protège-le contre le mal. Sois avec nous quand nous allons au travail. Et alors que, Seigneur, nous entendons encore qu'il y a coronavirus, nous savons, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y a coronavirus, mais nous avons un Dieu qui nous protège. C'est pourquoi nous te demandons, protège-nous, garde-nous, sois avec nous, ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas selon que ta parole dit que tu ne l'as jamais fait et tu ne le feras jamais. Je bénis donc ce pays, je bénis aussi toutes les personnes partout où ils sont en train de nous suivre. Laisse que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Bien-aimé, merci d'avoir suivi ce programme. Nous nous retrouvons encore demain vendredi de grand matin à partir de 5h du matin jusqu'à 6h juste dans ce grand programme Lo Sambo Ya Tongo, prière matinale. Que notre Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.